que j'en avais plus. Ensuite, j'ai acheté 10 mètres de motifs faciles à découper, à voler, où vous voulez. Donc, c'est pour lancer, pour tester. Donc apparemment elle n'est pas géniale, mais j'ai quand même envie de la tester, donc on verra hein, ce que ça donne. Ensuite, chez Culture et Loisirs, donc à Aubenas, j'ai acheté un lot d'outing tools comme ça, de la marque Sculpey. Donc j'avais trop envie de la... donc j'ai ouvert parce que j'étais un peu curieuse, j'avais trop envie de les avoir, donc voilà, je les ai. Ils ont coûté 9€ quelque chose. Pour la patata patata, c'était 1,60€ quelque chose, un truc du genre. Et pour le ruban adhésif, 1,60€ aussi, je pense. Ensuite, j'ai acheté un scalpel, donc là aussi j'en avais toujours pas et j'avais tout mis à voir, j'ai aussi ouvert. Donc c'est la marque Artemio et je crois que je l'ai payé 5€, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des emporte-pièces, donc c'est la marque Martins, je sais pas trop comment ça se dit. Et ça, je pense que ça a coûté, j'ai payé ça 2€, plus ou moins. Donc ce sont des emporte-pièces ronds. Ensuite, j'ai acheté des cache-nœuds, toujours à 2€, un truc comme ça. 2€ des cache-nœuds de couleur argentée, donc il y en a 45. Et puis j'ai acheté plein de fimo, donc déjà de la fimo professionnelle qui coûtait 3€, presque 3€. Donc c'est la couleur noire, donc je vais voir si elle est bien cette fimo. Ensuite j'ai acheté plein de fimo, fimo quoi. Donc elle coûtait un petit peu moins de 2€. Elle coûtait un petit peu moins de 2€, donc j'ai le vert, enfin je vais pas détailler les couleurs, hein, voilà, le caramel, parce que finalement je détaille, le bleu aqua, le fluorescent, je sais pas comment ça s'appelle, oui, fluorescent. Champagne et le Bordeaux en classique. Donc voilà, c'était tout pour mes achats de la Farfouille et de Culture de Loisirs. Ensuite, j'ai acheté du ruban décoratif comme ceci. Cannelle, qu'est-ce que tu fais ?